C'est Maurice. Alors là, c'est le midi, c'est la pause. Je veux quand même vous montrer un peu ce qui se passe dans ma vie le midi. Alors le midi, je mange dans une espèce de cantine aménagée. C'est plutôt une chaufferie, quoi, on va dire. Et je viens d'entendre la radio qu'il y a de plus en plus d'obèses. Des obèses. Mais nom de Dieu, mais comment ils font? C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez, moi, là, ça c'est de la ratatouille. Faites maison avec des légumes de mon jardin. Là, j'ai une banane. Puis là, j'ai un bout de jambon, là. C'est un jambon, quoi. Le paysan d'à côté, là, il a tué un cochon. Et puis bon, bah, et voilà, quoi. Il me file un peu des fois des tranches de jambon, comme ça, quoi. Je sais pas comment les gens, ils font pour devenir gros. Voilà, moi, le midi, je m'arrête pas longtemps. Je m'arrête pas longtemps. Mais je mange lentement. C'est-à-dire, tout doucement, fourchette après fourchette. J'avale, je reprends. Les gens maintenant, c'est quoi? C'est fast-food, fast-food. Faut que ça aille vite, mais c'est de la saloperie, ça. C'est de la saloperie. Les gens, ils ont engraissent, ils ont même pas de temps de le voir. Bah, l'autre fois, il y a un voisin là. Ah bah oui, il est commercial là-bas. Bon boulot, ça aussi. Il est commercial. Dieu, il me dit, j'ai pris 10 kilos, je les ai pas vus. Ben oui. Non, adieu, il bouffe sans arrêt. Il boit pas. Mais bon. C'est plein de protéines de conneries animales, ces saloperies, des trucs génétiquement modifiés, des OGM, ça c'est de la saloperie aussi. Eh bien le mec, il a grossi. Il a grossi. Moi le midi, je mange la ratatouille, voilà, faites maison, j'ai un journal. Ça c'est sur les machines-outils, là. Ça c'est sur les machines-outils, ça. Ça, je regarde un peu, perce-moi le cul, un coup je chantais. Ben c'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est les visseuses, hein. Des trucs comme ça, hein. Eh ben, c'est pas ce qu'on croit. Mais moi, le midi, j'ai une nourriture saine. Je suis pas gros. Je suis pas gros. Voilà.